Bonjour les amis, les tutti quanti. Hello everybody. English, French, sorry for my bad English, but you know that. Now, I was just thinking to downgrade, so I'm using now the beta version 4.3.0, and I'm gonna downgrade, okay? And I'm gonna show you how to downgrade with the SD card, voilà. Donc je vais juste downgrade maintenant, je vais donc passer à la version inférieure, donc à la 4.2.4. J'étais à la bêta 4.3.0. Voilà, et je vais vous montrer en fait comment faire cela avec la carte SD et le fichier. Voilà, tout simplement, j'étais occupé, je dis ok, je vais faire une vidéo, comme ça c'est fait pour les gens. Voilà, so I was thinking about I'm gonna make this video so people know how this is working. No, it's just to test, because there is maybe a bug, I don't know, with overdubs in two modes, but I'm gonna test it. I'm not sure about what I'm gonna tell, but I'm gonna just test it in 4.2.4, if this is working or not. No, no. If you downgrade or upgrade, is the same way. Okay, donc si tu downgrade, on va dire, hein, ou si tu passes à la version inférieure ou supérieure, ou tu veux tester, c'est le même système. Alors, I never update with the Wi-Fi, so I always update with the SD card. I download the file, and voilà, and all my files, I keep all my files on my PC. So this is all the updates since I have this looper. So voilà, donc moi je fais jamais les mises à jour via le Wi-Fi. Je télécharge le fichier, je le mets dans un dossier, voilà, que je renomme au nom du fichier, et je les garde tous. Moi je les ai tous. Si vous en faut un, vous téléphonez, hein, comme on dit. So if you want a specific firmware, give a call, okay? Now, this is my SD card. Ça, c'est ma carte SD qui est branchée sur le PC. So, my SD card is on my PC. Now, I'm gonna downgrade to 4.2.4. Je vais, en fait, revenir à la version antérieure. Voilà. Alors, tu as ce fichier. You have this file. This is the file. When you download the file, it's like this. Donc si tu télécharges le fichier, il est comme ci, comme à l'écran. Tu le prends, tu le copies sur ta carte SD. You copy into your SD card, ok, copy. Not into a folder. Tu ne copies pas ça dans aucun dossier, ok. Voilà. Now you go back to your SD card and you see the bin files here on your SD card. It must not be into a folder alone, like this. This is the song folder, okay, that you can save, hein, copy-paste on your PC and you have a backup, okay. Donc si tu veux faire le backup des chansons, ben, tu prends le dossier songs, tu copies dans un dossier, comme ça tu as une sauvegarde. Alors, une fois que tu as ce fichier-là, if you have this file, you just need to rename it, just, it's not rename it, it's just to erase the stripe, the four, the two, the dot, the two, the dot, and the four. And this is what you need when you're gonna update or downgrade your looper. It must be like this, iros.bin, and nothing. Okay? Nothing more. Like this. Donc tu dois voir comme ceci. Donc iros.bin, c'est tout. Maintenant, you eject your SD card from your PC, insert to your looper, and start the looper and let's roll the update. Donc voilà, tout ce que tu as à faire, c'est éjecter la carte SD de ta, voilà, comme je vais le faire, voilà, hop, so you eject, this is great, and now all what you need to do is put your SD card on your looper and set your looper on, okay? The looper must be off when you insert the card. Donc le looper doit être éteint, hein, quand tu mets la carte, okay? Voilà. Tu insères la carte, tu démarres le looper, et c'est tout ce que tu as à faire. Voilà. That was the video about to update with the SD card. So simple video in case of, ok. Au cas où, ben voilà, tu as la vidéo comment ça marche avec la carte SD. Moi, c'est ce que je fais toujours. Hein. Voilà. I always use this way. So I always have this firmware on my PC too. So that was the video. Thank you for watching this video and I see you later, alligator. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, j'espère, le petit pépère.